L'imprimante Pixma G-Series G3411 fait partie de la catégorie des imprimantes qu'on appelle Ink Tank ou Mega Tank. Ces imprimantes sont apparues il y a quelques temps sur le marché. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester cette imprimante révolutionnaire. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'installation et la mise en route de l'imprimante. On a deux cartouches pour les têtes de lecture qu'on va insérer à l'intérieur. On va d'abord retirer le fil et ouvrir pour les têtes d'impression. On va retirer la tête d'impression de couleur noire. Et on va l'introduire dans l'imprimante. On va retirer ensuite la tête d'impression couleur. On va ensuite refermer et brancher l'imprimante. À la mise en marche, l'écran LCD va afficher le niveau d'encre qui est à zéro. On va maintenant passer à l'ajout des encres dans le réservoir. L'imprimante est maintenant prête à l'emploi. On va insérer des feuilles dans le bac d'alimentation qui peut prendre jusqu'à 100 feuilles. L'imprimante permet de pouvoir faire des impressions depuis un réseau, depuis le Wi-Fi et également depuis l'application Camon App Print disponible sur les téléphones Android et iOS. Depuis l'application Camon Print App sur votre téléphone, vous allez pouvoir faire des impressions photo, des impressions de documents, des montages photo et des copies de smartphone. On va maintenant faire un test avec un document sur votre téléphone. L'imprimante a tiré la photo. On peut voir que les images sont nettes, les couleurs sont vives et l'impression photo est de qualité. Le bilan que je peux faire de cette imprimante Pixma G-Series G3411, c'est que c'est une imprimante vraiment agréable, tant d'un point de vue ergonomique que d'un point de vue économique. Le prix du coût à la page est vraiment indiscutable. Je vous la recommande à la fois pour l'activité professionnelle, mais également pour l'activité quotidienne à la maison.